Bonjour et bienvenue à cette deuxième saison de Cuisine-moi. Ça se passe toujours à l'École culinaire chez Provigo à Vaudreuil-Dorion. Et aujourd'hui, on a le bonheur de recevoir, pour commencer cette deuxième saison de Cuisine-moi, une députée. Députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols. Oui, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci, c'est gentil. Contente de te recevoir sur le plateau. Moi, je suis un peu inquiète. Pourquoi? Parce qu'on parle de cuisine, puis je suis pas super à l'aise dans une cuisine. C'est les responsabilités. T'es occupée, évidemment, oui. On le sait. Bien, tout le monde est occupé. Mais quand même, le voyagement. Parle-nous un petit peu de cette réalité-là quand tu dis que c'est pas évident là, de trouver du temps pour cuisiner. En fait, j'apprécie beaucoup les plats de ma mère. Ma mère prépare des petits plats d'avance là, qu'on peut soit congeler ou garder dans le frigo pour les enfants parce que moi, je travaille 3 jours par semaine à Québec. Des fois, c'est 5 jours quand on est en période intensive, comme là, on sort des baillons. Donc, de prévoir là, puis organiser la nourriture. J'ai ma fille qui s'entraîne aussi à Montréal. Elle joue à Balmol. Fait que les lunchs, fait que c'est vraiment compliqué. Fait que je fais l'épicerie avant de partir pour Québec. En fait, je bourre le frigo. Puis quand je reviens, il est vide. Parce que dans ton rôle de député pour le secteur de Vaudreuil, circonscription de Vaudreuil, et tu sièges à l'Assemblée nationale. Donc, c'est un 4 heures de route, aller-retour, 8 heures là, à chaque semaine. Oui, à chaque semaine, c'est à peu près 3 heures et quart. J'essaie de ne pas voyager dans les heures de pointe, évidemment. Moi, j'aime bien voyager le soir, là, les enfants se couchent, puis je prends la route pour Québec parce qu'on commence tôt le matin. Donc, oui, c'est ça. Je pars le soir, 3 heures et quart aller, 3 heures et quart revenir, puis ça, c'est... s'il fait beau, là, parce que des fois, l'hiver, avec les tempêtes de neige, à Québec, c'est pas toujours évident. La météo est souvent différente. Mais oui, je travaille au Parlement à Québec, puis j'ai mon bureau de comté ici à Vaudreuil. Puis évidemment, j'habite la région depuis maintenant 22 ans. 25 ans. On aura l'occasion, Marie-Claude, de continuer à parler de ta carrière, la femme politicienne. Mais aujourd'hui, on veut la femme cuisinière quand même. Il y a un minimum, là. Je te laisse présenter notre recette. Les ingrédients et qu'est-ce que tu nous proposes? Oui, alors je vous propose un tartare de saumon, mais on peut aussi faire un tartare de thon. Bon, chez nous, on préfère le saumon. Fait que je suis allée avec le tartare de saumon. C'est super facile. Ça doit prendre 5 minutes pour aujourd'hui. Je vais vous étirer ça aussi longtemps que vous voulez. Mais c'est ça, c'est un petit tartare de thon, de saumon. On peut, le plus long, c'est couper le saumon. Je vous présente les ingrédients. Donc, évidemment, le saumon. La pièce de poisson, important de demander, je le dis régulièrement, on a fait des tartares à quelques occasions, de demander à notre poissonnier de nous donner la bonne coupe pour le tartare, un saumon frais. Oui. Puis chez nous, on est très, très, très pointilleux, donc on s'arrange tout le temps pour pas qu'il y ait d'arête non plus. Là. Fait qu'on le coupe vraiment petit là, pour... Parce que s'il y a une arête, c'est fini, il n'y a plus personne qui en mange. Oui, puis le secret est beaucoup dans la coupe pour oui, le tartare. Oui, dans la coupe, définitivement. Okay. Oui, il faut que ça soit frais, du poisson, si c'est pas frais. On y reviendra aussi. C'est sérieux, le tartare, chez les Nichols, là. C'est sérieux? Oui, tu nous raconteras ça. Continue. De la compétition chez nous avec le tartare. donc, c'est une petite mayonnaise qu'on va mélanger au tartare. Donc, on a la mayonnaise, on a le wasabi, puis ça, ça va être au goût. Il y en a qui mangent très épicé, d'autres moins épicé. On a du sel, des petites graines de sésame, de l'huile et de la sauce tamari. Donc, on vous donnera les proportions. Là, je pourrais vous donner les proportions au fur et à mesure où on fera la recette. Puis souvent, on fait un accompagnement. On varie l'accompagnement, mais aujourd'hui, je vous propose un petit accompagnement de salade d'asperges. Salade d'asperges et épinards. Et épinards. Et là encore, clé en main, il faut que ça aille vite. Il faut que ce soit goûteux et bon. Oui. Délicieux. Et on reprend les mêmes ingrédients, même pour la vinaigrette. Exactement. C'est la beauté de cette recette-là. Ce duo-là, c'est qu'on n'a pas plusieurs ingrédients. Tu refais ta vinaigrette pratiquement avec l'huile et la sauce tamari. Là. L'objectif, c'est que ça soit rapide, ça soit bon. Puis pendant qu'on prépare le repas, bien, on peut jaser, on peut prendre un petit verre de vin. On aura cette opportunité-là dans le deuxième segment avec le cocktail de la productrice. Marie-Claude, on plonge. Donc, la coupe du tartare. Oui. Je te laisse. Bien, chez nous, on est très, très, très dédaigneux. Là. Fait que je veux juste indiquer que j'ai déjà lavé mes mains. Oui, important. Chez nous, c'est incroyable. Puis on s'attache les cheveux aussi habituellement, mais là, on va faire un spécial. Oui. Donc... Tu fais bien de le mentionner. Oui, oui. Non, mais je vous le dis, là, chez nous, c'est particulièrement un point... C'est correct. Donc, on peut prendre le saumon. Oui. C'est la partie... Alors, on voit comment j'aime manipuler le saumon. Comme je vous disais, là, c'est la partie la plus longue là, de couper le saumon en dés.
Est-ce que... Puis c'est le secret aussi. Quand oui. c'est bien fait, quand c'est petit, c'est intéressant. Là. Puis la on participe, du tartare, hein, on recette, ça. On fait ça à deux. Oui. Fait que toi aussi, Patricia, tu vas, oui. tu vas couper ton saumon. On participe. Donc, on fait des petites tranches, puis on y va en Oui, on y en va en petits cubes. Moi, on commence par les lanières, puis moi, j'aime toujours passer ma main pour être sûr qu'il n'y a pas d'arête. OK, fait qu'il y a vraiment une vérification. Il y a un contrôle de la qualité, là. Des gros... Tu disais tantôt, c'est sérieux chez nous, le tartare. Raconte-nous, oui. tu as une anecdote là-dessus. Il y a quelque chose de spécial. Là. Oui, alors, chez nous, on fait un concours de tartare de saumon annuel. OK! Donc, à chaque année, on se réunit, on a des recettes secrètes, puis tout le monde arrive avec ses ingrédients secrets. Tout le monde assemble ses tartares, on a chacun nos emportes. En même temps, là, tout oui. le monde arrive, mettons, c'est... OK, on se rencontre oui. une journée chez quelqu'un, rencontre de famille. Oui. Tout le monde a... Et là, tout le monde cuisine dans son coin de la cuisine ou? Ah, mais là, ça, c'est vraiment drôle parce que là, il y en a qui veulent vraiment avoir la recette secrète. Ils veulent pas qu'on voit les ingrédients. Fait qu'il y en a qui se mettent dans un coin de la cuisine, d'autres l'autre côté. Puis c'est vraiment très, très, très sérieux, là. Puis c'est ça, on assemble, il y en a, c'est des mayonnaises, d'autres, c'est plus des huiles, il y en a avec des fruits, il y en a... Des agrumes, les fruits. Écoute, il y a tellement de possibilités avec le tartare maintenant, oui. là. Puis pour mettre du piquant, la première année, qu'on s'est dit, on fait un concours de tartare, hein, parce qu'on se disait tout le temps... Hey, c'est moi qui fais le meilleur tartare. Là, mon frère disait, ben non, c'est moi. Puis là, ma mère qui prend toujours pour mon frère, disait, ben non, c'est ton frère. Donc, on s'est dit, bon, parfait, on va faire un concours de tartare. Il y a même un trophée, là, c'est très sérieux, là. Oui, oui, on est allé faire un trophée. En fait, c'est un trophée de pêche. Parce que c'est un gros trophée, mais sur le dessus, il y a un poisson. Ce qui symbolise le tartare, parfaitement. Ça symbolise le tartare. Donc, c'est un trophée de pêche qu'on a. On a converti en trophée de tartare de saumon. Puis, vu que c'est moi qui ai eu l'idée, mais la première année, j'ai mis mon nom dessus automatiquement. Donc, mon nom est déjà une fois dessus. Fait que t'es déjà gagnante, là. Bien, j'avais pas vraiment gagné. Mais j'ai mis mon nom dessus. Mais j'ai gagné avec la recette que je vous fais aujourd'hui. J'ai gagné une année avec cette recette-là. J'ai hâte de découvrir ça, mais nous, on est gagnants de t'avoir avec nous sur le plateau. On s'en va tout de suite au conseil du chef, le truc avec Marilyn. Et au retour, on va mélanger, on va terminer notre tartare, on va commencer notre salade avec Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil. C'est une belle idée, le tartare pour l'été, Marie-Claude, ça va être super bon. Ce qui m'amène à vous parler des préparations crues de poisson et de viande. Des fois, on est un petit peu mêlé entre qu'est-ce qui est quoi, on entend plusieurs termes, puis on va démêler ça aujourd'hui. Donc, le tartare, le tataki, le ceviche, le sashimi et le carpaccio, c'est toutes des préparations crues, mais qu'est-ce qui est quoi? Donc, le tartare, c'est simplement une protéine, donc ça peut être un pâté de bœuf, de viande ou de poisson qu'on coupe en petits cubes, puis là, qu'on va assaisonner différemment et qu'on mange cru. Ensuite, on a le tataki, c'est une partie de bœuf ou bien de poisson qu'on va saisir à feu très élevé juste pour cuire l'extérieur, le croûter, puis l'intérieur va rester cru, puis on va le manger comme ça. Donc, l'extérieur saisi, l'intérieur cru. Ensuite de ça, on a le ceviche. Le ceviche, c'est plus souvent fait avec le poisson. C'est un poisson qu'on va ajouter un peu d'acide, donc généralement un jus d'agrumes, jus de lime ou jus de citron. Et le jus va cuire légèrement la chair du poisson. Mais en gros, ça reste assez cru. On veut juste un petit peu de cuisson par l'acide, pas beaucoup. Ensuite de ça, on a le sashimi. Le sashimi, c'est simplement un morceau de poisson cru. Souvent, ça va être servi avec les sushis. Donc, le sashimi, c'est la version qui n'a pas du tout de riz avec. Et finalement, on a le carpaccio. Le carpaccio, c'est généralement plus pour les viandes. Parfois, on dit carpaccio aussi pour des légumes, donc ça peut porter à confusion aussi. Mais c'est simplement une viande qui est coupée en fines, fines lamelles et qui est étalée avec un mélange de différents condiments. Et là, on mange ça cru aussi. Donc, maintenant, vous savez démystifier tout ce qui est cru et vous pouvez apprêter ça à votre goût. De retour en studio avec notre invité, Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil. On poursuit notre tartare et là, on l'a mis au frais. Toi, c'est important. Hein? Les cheveux, les mains. Et si tu as raison, et là, on l'a mis sur glace. Comme à la maison. Comme à la maison, pour que le poisson reste frais. Donc, on a terminé la coupe de notre tartare. Peut-être rappeler rapidement les ingrédients et je te laisse entamer ta mayonnaise. Parfait. Bien, dans le fond, on peut commencer la mayonnaise. On va mélanger, je peux vous le dire... On va mettre 2 cuillères à soupe de mayonnaise. Mm-hmm. On va ajouter 2 cuillères... C'est vraiment facile à retenir. 2. Et 1 filet d'huile. Donc, 2 cuillères à soupe de mayonnaise, 2 cuillères à soupe de sauce tamari
et un petit filet d'huile d'olive. On va mélanger. On va... Ceux qui aiment épicé, on peut rajouter de la sauce wasabi. Oui. Oui, mais toujours pas trop parce que des fois, ça peut faire qu'on perd un trophée si on en met trop. Faut doser, si on aime relever ou pas. Exactement. Donc, faut doser. Sel, poivre, puis on a de la ciboulette. Mais la ciboulette, c'est la décoration qu'on met sur le dessus. Mais tu le coupes, tu le ciselles, puis tu le mets dedans ouais, ou juste à la fin? Juste à la fin, sur juste le à dessus. La fin. Okay. Souvent, je le coupe avec des ciseaux. Oui. Préalablement nettoyés, là, mais je coupe avec les ciseaux. Ciseaux puis, de cuisson, les ciseaux de cuisine. Dans notre concours de tartare, pour influencer la foule qui va voter, je fais souvent un M pour Marie avec la ciboulette parce qu'on vote pour un tartare, mais on ne sait pas qui a fait le tartare. Fait que quand tu parles de ta foule, là, c'est ta fille, c'est ton garçon, c'est ta mère. Mes neveux, mes nièces, ma mère, mon frère. J'ai l'impression qu'on est devant vraiment... C'est non, important mais c'est... pour toi aussi, hein, tout cet aspect-là. Là, tu me disais, ta fille, elle va aller te rejoindre à Québec. Ouais. Bien là, là, elle a commencé l'école en septembre. Oui, oui. Là, elle a fini son secondaire 5. Ouais. Donc, elle s'en va. Elle a gradué l'été dernier. Oui, après 12 ans à la même école. Donc, oui, là, elle a fait le choix de venir étudier à Québec. Ma mère est contente? Oui, oui, je suis contente. On a une belle relation. Tu vas l'avoir proche. Oui, mais on est déjà très proches. Donc, souvent, quand je pars à Québec, on utilise beaucoup le FaceTime pour faire les devoirs ou à la fin de la journée là, pour savoir comment ça va. Mais j'ai vraiment deux enfants merveilleux. Moi, je suis séparée, puis les deux enfants habitent avec moi, puis on a vraiment une belle façon de fonctionner. Mon fils, Maxime, a 20 ans, ma fille a 17 ans, mais ils prennent vraiment soin un de l'autre. Donc, mon fils, c'est rassurant Maxime, pour toi. Oh, c'est vraiment rassurant. Maxime est disponible pour sa sœur, puis c'est réciproque. Il y a des belles valeurs, là. Oui. Puis les valeurs familiales sont importantes. Puis dans le fond, le concours de tartare, là, c'est un prétexte pour se rassembler. Exactement. Puis faire rassembler qu'on est des chefs, là. Mais ça passe par le plaisir. Là, mais ça. Oui, mais oui. Je te laisse faire ta mayonnaise pendant ce temps-là. Je vais peut-être commencer à casser les asperges. Oui, parfait. Il faudrait enlever les bouts. Oui, c'est ça. Parfait. Casser. Je te surveille du coin de l'œil. Mais oui, je vois ça. Écoute, tu fais bien ton travail. J'ai parce quand que même... c'est ça, une députée, ça a des yeux partout. Hein? Exactement. Faut que tu sois aux deux endroits parce que je t'entendais quand tu es arrivée dans les toilettes. Dans les coulisses, tu as dit, bon, là, j'ai l'impression de négliger mon bureau de comté, j'avais hâte de revenir. C'est ça, là, on siège à Québec avec les élus, le gouvernement, et là, on revient, puis les dossiers s'accumulent au bureau aussi. Oui, bien là, on a, comme la dernière session, on a eu une session particulièrement intense avec. Je passe par-dessus. Oui, vas-y. Avec deux baillons. Donc, on a eu un baillon sur l'immigration, puis un baillon sur la laïcité. Peut-être expliquer un baillon. Oui, bien, le baillon, ça le dit, c'est qu'on est baillonné, c'est-à-dire qu'on est confiné à l'Assemblée nationale alors que la partie gouvernementale veut faire adopter un projet de loi. Vous aviez deux gros dossiers tout un week-end complet. Oui, c'est la première fois. Moi, c'est mon deuxième mandat, puis c'est la première fois qu'on fait deux baillons de suite. Puis des baillons, c'est souvent, on est confiné 24 heures là, sans pouvoir sortir de l'Assemblée nationale jusqu'à temps que le projet de loi... Dans le fond, c'est que le projet de loi, il suit les étapes en accéléré. Est-ce que tu as des trucs pour passer à travers ces week-ends-là? Bien, on a des lazy boys dans nos bureaux. La petite sieste est de mise. Oui, on a des groupes de garde, donc on est en rotation, on est de garde, on a des représentations à faire. C'est là où l'esprit d'équipe est super important parce que quand on est 24 heures avec des collègues, puis c'est pas tout le monde qui est pareil, bien, on peut facilement se taper sur les nerfs. Puis on fait de la politique, fait que veux pas, c'est souvent... Il y a des enjeux, là. Oui. Les enjeux sont là, sont importants. C'est ça. Les responsabilités aussi. C'est ça. C'est des enjeux super importants. Je vais vous donner l'exemple de l'immigration. Moi, ça me touchait beaucoup. Vaudreuil, on est un comté en explosion démographique. Puis on a vraiment beaucoup, beaucoup de nouvelles familles, de gens de l'extérieur qui viennent s'établir ici. Donc, moi, ça me touche beaucoup de savoir qu'il y a 18 000 dossiers qui ne seront pas traités, qu'on passe à la déchiqueteuse. Là, je me dis, c'est des êtres humains. Là. Oh oui. Fait que ça venait me chercher personnellement, ça venait chercher des émotions que j'ai en moi, surtout quand je regarde un comté comme chez nous. Mm-hmm. Fait que je trouvais ça difficile. Là, de... C'est sûr qu'on vote contre, c'est sûr qu'on connaît la finalité. Mm-hmm. Le gouvernement est majoritaire, fait qu'on connaît la finalité. On sait qu'ils vont le passer, leur projet de loi, mais on a quand même un travail à faire dans l'opposition. Oh, tout à fait. Ça, c'est ce que les c'est gens comprennent pas. Oui, c'est essentiel. Il y a des gens qui disent « Ah oui, mais dans l'opposition, vous chialez. » Oui, mais c'est notre travail dans l'opposition de sortir les points, d'amener les aspects qu'on entend dans la rue, qu'on entend un peu partout ailleurs, des minorités aussi.
Parce que les porte-parole de la communauté, c'est essentiel. Là. Exactement. Donc, la mayonnaise, on a mélangé les ingrédients à la fourchette, au fouet, puis tu incorpores directement dans ton tartare. Exactement. Après, un petit peu de sel. Une petite pincée de sel. Merveilleux. Sens-tu des fois impuissante? J'ai l'impression, tu sais, la machine est quand même lourde. Puis là, ça n'a rien à voir avec le gouvernement au pouvoir. Là, on parle pas de façon générale, peu importe, on passe des lois, il y a une bureaucratie. Et là, souvent, tu as la pression des citoyens. Puis toi, tu as le goût intérieurement. Tu sais qu'il y a des enjeux, mais tu dois attendre après des réponses, après des commissions, après des analyses. Bien, c'est drôle ta question parce que en revenant des... pas drôle. En fait, c'est une bonne question parce qu'en revenant des baillons sur le chemin du retour, qui est 3h15, où on avait peu dormi parce que le baillon commençait à 9h le matin et on a fini à 4h30 dans la nuit. Tu parles de ce que vous avez vécu en juin dernier. Oui. Là. On a commencé à 9h le matin, on a fini à 4h30 la nuit. Puis l'autre baillon a recommencé à 8h puis a fini à minuit et demi. Fait qu'on n'avait pas beaucoup dormi. Sur le chemin du retour, je me demandais, est-ce que je suis à la bonne place en politique? Je me demandais, est-ce que je représente correctement mes citoyens? Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je suis... Fait que je me suis beaucoup... Puis on n'avait pas beaucoup d'heures de sommeil dans ce temps-là. Fait que quand on vient plus sensible là, oui, on est plus sensible. Mais c'est sain, je pense, d'avoir ces questions-là, parce qu'il y a l'humain derrière la femme politicienne, puis c'est important de... Oui, mais je l'ai eu, tu sais, je l'ai peut-être... Ça arrive peut-être une ou deux fois par année, puis... On va le dire, là, il y a les réseaux sociaux aussi où les commentaires sont souvent gratuits. Hein? Ouais. Fait que souvent, on regarde les réseaux sociaux, mais je me rends compte que les réseaux sociaux affectent plus les membres de ma famille, mes enfants, ma mère, qui ont tout le temps le goût de répondre. Là. Fait que ça les touche beaucoup. Moi, ça me touche moins maintenant. On dirait que j'ai une petite carapace en politique, mais eux, ça les touche un peu plus. Puis d'où le questionnement, est-ce que je continue ou est-ce que... Tu sais, quand j'arrête... Questionnement intéressant. Merci de nous confier ça aujourd'hui. Ça me fait plaisir. C'est gentil. Écoute, tiens, pour t'aider à prendre une bonne... Oui! pour faire la bonne réflexion, je te donne le plus gros. T'es notre invité VIP. On est vendredi. Un tartare, là. En fait, quand on cuisine, on peut pas cuisiner sans prendre un verre de vin alcool ou sans alcool. Mais on peut pas prendre... Ça prend quelque chose pour accompagner toujours le... Marie-Claude, tu as tout à fait raison. Et sais-tu quoi? J'ose espérer que tu vas rester parce que tu es un invité hors pair et tu es surtout, je sais, une députée hyper présente. Ah, on poursuit notre discussion, on termine le tartare et la salade au retour. Parfait. Santé, ma chère dame. Santé, c'est un bonheur. Mmh. On va rejoindre Mégane avec le conseil nutrition et on revient, on termine avec Marie-Claude. Tantôt, nous allons utiliser les asperges dans la recette qui s'en vient. Les asperges sont bons pour la santé. Ils contiennent les vitamines A, C, K ainsi que l'acide folique. Mais pour certains gens, ils évitent d'en manger parce que pour certains mondes, quand on y va à la salle de bain, notre urine peut sentir un petit peu bizarre après avoir mangé les asperges. Et ça, c'est complètement normal. Il y a certains mondes qui ne peuvent pas vraiment le sentir, puis il y a d'autres mondes qui le sentent vraiment fort. Donc, ça dépend vraiment sur vous. Mais à la fin de la journée, c'est très normal et on peut continuer d'en manger les asperges pour la santé. De retour en studio, on poursuit notre super recette. C'est notre segment favori, fait qu'on peut refaire encore le santé. Santé. Merci à Chantal Bédard, notre productrice, parce que ça, en fait, là, c'est un prétexte pour avoir un cocktail. Donc, c'est le cocktail de la productrice. Santé à toi. Bonne saison, Chantal. Merci. Qui s'en vient. Le vin blanc. Puis en cuisinant, ça prend ça. C'est un indispensable. C'est un indispensable. Ça relaxe, ça détend. Ça met la table pour des belles soirées. Je partage. Yeah! Donc, notre tartare. Tu as fait ton mélange. Oui, mon mélange est prêt. Oui. Elle est incorporée. Oui. Au saumon qui a été gardé frais sur la glace. Donc, je peux le mélanger tout de suite. Mm-hmm. Puis après, on peut s'attaquer à la salade, d'asperges que mes enfants n'aiment pas. Non? Moi, ils ne sont pas très forts sur les légumes. Ils ne sont pas très... Ah, OK. Ils ne sont pas très légumes, là. J'essaie de leur en passer quand même, là. Mais dès que j'ai le dos tourné, ça se retourne dans mon assiette. Et tu disais que merci au petit plat de ma maman. Oui. C'est important. Oui, ma mère a fait des manicotis. On appelle ça des mamicotis. oui, ma mère a fait plein de choses pour les enfants. Elle est vraiment super... Très présente. Ah, oui, vraiment présente. T'es en forme. Oui, super dévouée. Elle habite loin. Ma mère habite à 2 heures de route. OK. Donc, mais dès qu'elle a la possibilité... Elle est là pour nous. Des fois, même, je suis mal prise. Puis là, je me dis, peux-tu aller faire un petit tour à la maison? Fait que, elle descend. Elle est présente. Vraiment présente. Oh, c'est vraiment chouette.
Alors, Marie-Claude, on le disait, la beauté de cette recette-là, c'est qu'on réutilise les mêmes ingrédients pour la vinaigrette. Exactement. Donc, tu calcules les quantités? Oui. En fait, je délègue aussi. Je suis pas mal bonne pour déléguer. Alors, je te donne t'as pas le choix. Si tu veux réussir à faire tous tes dossiers, il faut que tu délègues. Il faut apprendre à déléguer en politique. Oui. Comme en cuisine. Oui. Alors, voilà les asperges. Il faut seulement de les passer aux économes. Regarde, j'ai même fait un petit exemple. Oui, merci. Merci. Hein, ça me fait plaisir. Je suis comme ça. Donc, tout simplement, on les blanchit pas. Non, on les blanchit pas. On a juste cassé la queue au bout. On les râpe finement. C'est ça. Puis, naturellement, avec la vinaigrette, elles vont s'assouplir. Exactement. Il faut les laisser mariner là, peut-être 5 minutes. Fait qu'on fait nos petites tranches d'asperges, on met ça dans un bol. Après, on va mélanger ça avec de l'huile d'olive, un petit filet d'huile d'olive, un petit peu de sauce tamari, à peu près une cuillère à soupe, qui est la même qu'on a utilisée pour, avec la mayonnaise pour le saumon. Donc, ça fait un petit suivi. Un rappel. Et on met un petit peu de jus de lime. On laisse... On met pas tout de suite les bébés épinards, on les met juste à la fin parce que des épinards tout mous, tout ramollis, c'est pas très bon. On veut pas ça. Donc, on va les mettre seulement à la fin. Puis là, je te regarde travailler. Bien, sais-tu quoi? Regarde-moi travailler, puis moi, je vais te cuisiner. Tu as dit, je suis bonne pour déléguer, puis j'aime ça bien m'entourer. Parle-moi de ton équipe. Parce que pour réussir comme ça en politique, bien, tout d'abord, il faut dire que tu as pensé, tu as étudié en droit, tu as été avocate, tu as pratiqué, tu as fait le barreau, c'est sûr, si tu as pratiqué. Tu as été mairesse, préfet. Fait qu'il y a un passé, le deuxième mandat comme élu, il y a un bagage derrière tout ça. Là. Oui, définitivement. Puis tout ça, t'as dit le bon mot, c'est que ça se fait en équipe. En politique, on ne peut pas travailler tout seul. Il faut toujours savoir s'entourer de gens de confiance, mais de gens en qui on a vraiment beaucoup confiance parce que ces gens-là, souvent, savent tout de nous, là, même au niveau familial. Là, ils connaissent nos enfants par les prénoms et... ils sont impliqués dans notre vie familiale. Parce que, oui. C'est du 7 sur 7. Là. Rappelons-le, c'est du 7 sur 7. C'est 7 jours semaine. Député, c'est 7 jours semaine. C'est 3 jours semaine à Québec. Le reste du temps, on est dans nos comtés. On a des activités dans nos comtés, des repas partagés, l'âge d'or, on rencontre des gens. Puis même à l'épicerie, les gens nous arrêtent pour venir nous parler ou nous parler de leurs préoccupations, nous parler de leurs enjeux, des fois nous parler de leur famille. Et les gens arrêtent au bureau de comté aussi, nous appellent. Donc, on est vraiment interpellés. C'est vraiment toujours sollicité. Semaine. Oui, toujours. Faut aimer ça. Faut aimer cet aspect-là là, de travailler avec, de travailler avec le public. Sauf que c'est un petit peu plus... la vie privée, il y en a un petit peu moins, ça faut se faire. Mais le travail d'équipe est super important. Super important. Je pense pas qu'on peut aller très loin en politique si on n'est pas bien entouré, si on n'a pas une équipe autour de nous. C'est sûr. Moi aussi, à mon tour, je te délègue. Oui. Peut-être commencer à adresser, pourquoi pas. Oui, bien sûr. Est-ce que tu mets en emporte-pièce? On a un emporte-pièce. Donc voilà, peut-être en faire deux portions. Parfait. La salade, j'ai une bonne quantité. Je vais continuer ici à terminer ce que j'ai fait. J'aime ça, je te fais travailler. Oui, c'est pas pire, hein, quand même. Ouais. Et dis-moi, les enjeux importants dans la région pour l'automne et en 2020, il y en a plusieurs. Ah, le pont de l'île aux Tourtes, l'Avin, l'hôpital. Hein, est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet là, quand je te parle de ça? Oui, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux pour le comté de Vaudreuil. Puis, tu vois, ça, c'est... oui, tu rentres dans le vif du sujet, puis c'est des fois là où on se sent un peu impuissant aussi parce qu'on est dans l'opposition maintenant. Avant, on avait directement accès au ministre, c'était plus facile de faire bouger les choses. Là, on a moins accès. Il faut être plus patient, là. Oui, c'est ça. Bien, en fait, il faut user de stratégie, puis faut travailler de façon différente. Parce qu'on a. C'est ça. Moi, je travaillais beaucoup avec le premier ministre dans mon premier mandat. Je faisais partie des officiers. Là, maintenant, évidemment, je n'ai pas accès au premier ministre comme j'avais accès... Et ton titre dans le cabinet fantôme, en fait, à l'opposition, c'est vraiment les affaires municipales? Oui, moi, je suis aux affaires municipales. Je suis porte-parole des affaires municipales pour l'ensemble du Québec. Donc, je travaille avec les maires, avec les préfets, pour faire avancer différents dossiers. Puis, évidemment, ma vis-à-vis, c'est la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Et puis, je m'entends super bien avec elle. On peut se texter, on s'appelle. Elle comprend quand même bien les enjeux. Puis je pense qu'elle sait aussi que je viens du monde municipal. Elle me le dit souvent. Fait que je pense qu'il y a une certaine confiance là, qui s'est
établie entre nous deux. Fait qu'on peut parler ouvertement. Dans le temps des inondations, on a eu beaucoup d'échanges. Je pense que ça a été bénéfique, les échanges mm-hmm. qu'on a eus aussi mm-hmm. pour notre comté. Il y a une confiance parce que vous demeurez des collègues. Là. Une fois qu'on est en politique, même si opposition, parti, les couleurs, on oublie ça, vous êtes des collègues de travail. C'est sûr que la période de questions, on a l'air à pas s'aimer, mais la période de questions, c'est vraiment une pièce... Non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite, excuse-moi. Non, c'est sûr que... Oui. Fou, je te surveille tout le temps. C'est sûr que la période de questions, c'est la... En fait, c'est des questions sans réponse, là. Mais c'est vraiment la partie pièce de théâtre, c'est orchestré. Là. Ils savent qu'est-ce qu'on va poser, ils savent qu'est-ce qu'on va poser question. Puis ça a tout le temps l'air arrogant, mais en dehors de ça, on travaille super bien. 98 % des projets de loi sont adoptés à l'unanimité. Donc, ça vous donne une idée du climat à l'Assemblée nationale. Oui, c'est essentiel. Je voulais terminer rapidement la vinaigrette. Mais là, je t'ai vu couper, mais... Oui, j'ai fait ça ici pour qu'on puisse décorer. Il reste une minute, alors je te laisse terminer la vinaigrette. Parfait. Rapidement, tu vas incorporer les épinards. Un petit filet d'huile On va dresser, on va goûter aussi. Est-ce que tu mets un peu de poivre sur ton tartare? Oui. On va poivrer. On mélange la salade. Ça va être savoureux. Voilà. Un petit peu de jus de lime. Oui. Tu mélanges tout ça, tu ajoutes les épinards. Juste après les épinards. Okay, on n'aime pas les épinards mouillés. Puis idéalement, on voudrait la laisser mariner aussi. Oui, un petit 5 minutes. Okay. Mettons qu'on la laisse mariner 5 minutes. Oui, tu peux bien mélanger. Oui. Merveilleux. Ça a été un bonheur de te recevoir, Marie-Claude. Ça fait vraiment plaisir. Merci d'être passée à Cuisine-moi. Je ne sais pas ce que ça va donner, ta réflexion. Mais chose certaine, tu es au bon endroit, tu es appréciée dans notre comté et on sait à quel point tu es vraiment présente et tu es une femme de cœur et de tête. Bravo, tu es à la bonne place. Merci. Puis je vais voir maintenant si tu mérites un trophée pour ton tartare. Mais c'est sûr que je mérite un trophée pour mon tartare, voyons. Mon nom est déjà dessus. On laisse mariner, on les rajoute à la fin? À la fin. Est-ce qu'on goûte? Bien, certainement. Je laisse goûter en premier. Il n'y a pas d'arrête. On est une championne! Eh oui, on rajoute mon nom encore. Oui, on est une championne! Merveilleux! Vraiment bon. Puis la salade, c'est pas compliqué. Là, on ajoute les épinards, on mélange, on sert ça. On peut même le servir dessus ou à côté. Ah oui! Fascinant. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. À la maison, suivez-nous sur les réseaux sociaux, neomediavaudreuil-soulanges.com, votre quotidien dans la région de Vaudreuil et sur cessure.tv, votre télévision régionale, pour suivre la super saison de Cuisine-moi. À très bientôt! Alors là, on va finaliser la cuisson de la bavette. Oui. On veut... Puis ça, c'est un autre conseil aussi. Souvent, on est tenté à bouger nos pièces de viande. Quand on grille les viandes, les tourner puis les retourner. J'ai pas tourné ma pièce de viande depuis que je l'ai déposée dans ma poêle, ce qui veut dire à peu près 6 minutes. Je la tourne maintenant et on la laisse aller. Pendant ce temps-là, on peut peut-être... Mais ça fait les...